Hello les Happy Girls, très heureuse de vous retrouver. Donc moi c'est Amélie, la chaîne Amélie Happy. Donc sur cette chaîne vous allez retrouver essentiellement de la mode, des try-on avec les pièces tendances de la saison et comment les porter avec des idées de look à foison. Donc aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler de une pièce 5 looks. Donc l'idée c'est de vous présenter une pièce plutôt tendance et de voir comment l'associer et le porter de manière facile, aussi bien la journée que le soir. Donc aujourd'hui j'ai choisi la jupe un peu sportwear rétro. C'est une jupe qui est taille haute avec la ceinture élastiquée et avec une rayure un petit peu rétro sportive. Voilà, donc en tout cas je vous propose plusieurs looks et je vous dis let's go for try on. Pour le premier look, je porte une veste brodée Zara à 70€, assortie d'un t-shirt à message Mango que j'ai payé 8€, un sac beige Zara et des boots Primark. Pour le deuxième look, je porte une veste courte en fourrure de chez Zara que j'ai payé 50€, un chemisier blanc que j'ai acheté dans une petite boutique, une marque Xentier, des boots Primark et une pochette à sequins Zara. Troisième look, il s'agit d'un perfecto en maille gris acheté chez Zara 40€, un t-shirt à message Mango 8€, le sac Mango rouge à 35€ et des Stan Smith à 80€. Pour le quatrième look, je porte une chemise bleu ciel H&M que j'ai payé 25€, un manteau blanc de la marque Isabelle Marant que j'ai payé 240€ et des boots Primark. Cinquième et dernier look, je porte un chemisier léopard Zara que j'ai payé 30€, le sac Mango à 35€ et des Stan Smith à 80€. Hello, j'espère que ces looks vous auront inspiré, vous donneront envie d'essayer cette fameuse taille haute élastiquée un peu sportif rétro. En tout cas, c'est vraiment une pièce qui est plutôt très annoncée, notamment le look sportwear. N'hésitez pas à vous faire plaisir et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo tendance. Bisous !